It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. Je viens de le finir, qu'est-ce que t'en penses? Et comment il faut te le dire, papa? Tu me lâches, tu me laisses travailler, tu disparais. Papa! Tu m'oublies déjà? Alors d'abord, tu me demandes de disparaître, et maintenant, tu essaies de m'oublier sur un parking? Au début, j'ai cru que c'était des hallucinations temporaires. Mais ça fait des mois que ça dure, et c'est de pire en pire. Vous allez devoir accepter de le laisser partir. Parlez-moi un peu de lui. Pour lui, rien n'était sérieux. Fais-moi l'hippocampe. Pas vraiment un père. Tu sais que je t'entends, là. Pas vraiment un père. Tu vas m'avoir sur le dos jusqu'à la fin de tes jours. Je t'écoute pas. Ça choquant, t'écoutes jamais personne. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu devrais écrire un truc plus personnel, avec un rôle pour ta femme. On peut savoir ce que tu fais? Tu vois? Lui? Là, c'est devenu n'importe quoi, t'es poitré dans ton bureau, tu nous évites. Tu parles à ton pyjama. Regarde-moi et ferme les yeux. Elle est de quelle couleur, là, ma robe? T'aurais bien soufflé, mais ça aurait été de la triche. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Tu voudrais pas aller faire une petite sieste? Je suis mort, j'ai plus besoin de faire la sieste. T'as toujours été de mauvaise foi, de toute façon. Parfaitement, de mauvaise foi, parce que tu... Donc, ils s'engueulent tous les deux et tout le monde les prend pour des dingues. C'était mon éditeur, ça lui plaît beaucoup. T'as conscience que de là où il est, il n'a pas de téléphone, hein? Il paraît que tu te planques derrière des draps en te prenant pour Jeanne d'Arc. Si t'as besoin de parler, c'est peut-être mieux que tu choisisses quelqu'un de vivant, non? J'aimerais te poser une question, Sandrine. Si tu devais employer un mot pour me caractériser, tu choisirais quoi? Égoïste. Ah oui, quand même. Froid. Indifférent. Condescendant. Il plaisait, il le savait. C'est vrai que je suis pas sûr qu'il ait été toujours très fidèle. On a tous nos petits secrets. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi aussi, je plaisais. Bah, elle est pas en train de dire qu'elle me trompait, là. J'ai un Fidjien qui s'est barré. Un Fidjien? I want to go home. Ouais, tu l'as pas vu venir, celui-là! L'antiquaire. Je lui ai dit qu'il pouvait emporter tout ce qui n'était pas marqué d'un post-it. Et t'es content de toi? On croit qu'on a le temps, mais c'est faux, ça. Faut rire, déconner, mentir, crier, désobéir. Et surprendre. Alors régale-toi. Et tu sais... Si j'ai des questions, je te les pose. Voilà. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, papy.